Bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur le jeu Journey. On en est déjà au 4e épisode et si jamais l'envie vous dit de venir les voir en live, même si peut-être les lives seront finis sur ce jeu d'ici là, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch qui est dans la description de la vidéo. J'arrive pas à sauter là, faut que je récupère des... J'ai l'impression qu'on l'avait déjà fait, ça, non? Le système de sauvegarde n'est pas très au point, ou je rêve? On l'avait pas déjà fait, ça? Lors du live de la semaine dernière? Ah, les wagons, on avait fait, hein? Ah, le système de sauvegarde est un peu foiré. Bon, tant pis, vous verrez deux fois ce petit passage-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de trop. On va le refaire vite fait, on n'a pas le choix de toute façon. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, mais après, dans cette zone, tout se ressemble. Ah oui, ça, on l'a fait. C'est bête. On était arrivé au monstre de métal. Ben on va y retourner, c'est pas grave, il y a eu un petit couac. En fait, quand vous vous arrêtez, il n'y a pas marqué sauvegarder. Donc, c'est pour ça qu'on doit refaire ça, je sais pas. On sait plus si on nage ou si on saute. C'est assez complexe. On voit pas bien. Un mur ? Ouais. Je vois pas où je dois aller. Je dois descendre ou... J'ai pas vu où sont allés les papyrus. Oh, je suis paumé. Première fois que je me perds vraiment dans ce jeu. Y a rien pour m'aider en plus. Ah, c'est horrible. Ok, super. Maintenant, je sais où je dois aller. Il me faut juste beaucoup plus de puissance. Je veux pas sauter. En fait, quand j'appuie sur croix, c'est selon le bon vouloir du jeu, donc ça c'est chiant. Mais je dois aller là. Si ça saute pas assez haut, je suis bloqué, hein. Ah, je dois vraiment toucher pour que ça me fasse... Ok, j'ai compris. Voilà. C'est de la convient. Oh merde. Bon, au moins, on sait que c'est où on doit aller. J'attends que ça me fasse bien monter. Et allez. Ok, j'ai vu où je dois aller. Voilà.
Ça, je suis quasiment sûr qu'on l'avait fait la semaine dernière. Ce passage-là, c'est quasiment sûr à 100%. Désolé, hein, pour ceux qui le voient deux fois. Ah, les monstres de métal, ils sont là, mais on les avait passés, c'est chiant. Je sais pas pourquoi le jeu il me fait refaire. Le système de sauvegarde est à revoir. Un truc qui brille là-bas. Je me suis effrayé comme la semaine dernière. Je sais plus s'il y a une touche pour courir. On est clairement pas rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, sur le chat, sur Twitch, si vous avez déjà joué au jeu, ce que vous en avez pensé, etc. C'est pour nous montrer que si on est dans l'œil, il nous détecte, on est mort quoi. Il a détruit tous les papyrus. Je m'en souviens très bien, il va falloir passer sans se faire voir. Allez, relève-toi! J'ai l'impression que je suis blessé. Ah bah super, merci. Ah, il peut détruire le pilier. Ouch. Attends, je me serais pas fait choper si elle avait pas marché au ralenti pendant 10 plombes. J'ai plus nulle part à me planquer maintenant. Ça voit à travers ça, je sais plus. On dirait que non. Je savais plus si ça me faisait quelque chose. Je vais marcher là, je serai tranquille. On le sait, on a déjà fait ça la semaine dernière. On en a deux sur le dos. Vite, 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 vite. Ça va nous protéger. On s'était arrêté là en plus. Ça, on avait encore vu. J'avais activé tout ça. Donc, désolé pour ce passage-là qu'on n'était pas censé refaire. Avançons dans l'aventure.
On débloque la suite de l'histoire. Ouais, bah ça ressemble à ce qu'on voit à chaque fois. Hein. Ah, il y a des étoiles qui descendent. Ah, c'est nous. On serait une étoile. Y à toi aussi, Blatox. Espèce d'andouille! Seul reproche que je fais à ce jeu, c'est qu'on puisse pas courir. C'est dommage. Ben voilà, ça y est, on va débloquer la suite. Ah, il faut qu'on remonte, c'est ça. Enfin, j'aimerais bien, justement, juste avant qu'on ait cette cinématique, enfin, cette vue, j'étais en train de me dire, ça fait un moment qu'on est sous terre, entre guillemets. Maintenant, va remonter, là. Et qu'on peut pas sauter quand on veut, être comique. Ouh, il y a de la puissance là-dedans, il y a des papyrus. Hein. Ils m'ont pas donné leur force, ils sont emprisonnés. J'imagine que c'est par là, la suite. C'est un peu entrer dans un temple, vous trouvez pas? Ah bah c'est fermé. Ça va s'ouvrir. Non. Ça me montre un dessin. Ah! Voilà, nickel, ça m'a donné assez de puissance pour venir là. Voilà, super. Ici aussi. Venez avec moi, j'ai besoin de monter. Ouais, pyramide. Très mystérieux de façon ce jeu, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, on découvre en jouant en fait. Oh, non! Ah, c'est parce que ça monte. Dans ma tête, c'était ça y est, le saut était loupé, j'allais devoir reprendre du début. Allez, saute. Hop. Oh, spam pas, tu vas te faire ban. J'ai plus de saut. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici, lui, pour avoir sa puissance? Ouf. Chaud. Ah, bah, je sais pas, je sais pas, j'ai pas eu d'alerte, donc je peux pas te dire. Je sais pas si ça a marché. Attends, je vais te... J'ai pas eu d'alerte. Je suis pas... Je peux pas te confirmer, là. Attends, je vais tester. 2 secondes. Sur le téléphone. Je peux gérer le stream avec le téléphone. Pourquoi je peux pas, là? Voilà. Ça me dit pas plus sur le téléphone. Oh, on est deux. Il me montre le chemin. Ah bah t'as peut-être acheté des pyramides, j'en sais rien. Je verrai à la fin du stream peut-être, je sais pas. Là je peux pas te dire, je connais pas, je maîtrise pas Twitch.
Oh, il y a un truc à récupérer là-bas. Ouais, bon, bref, je fais pas le 100%. J'ai peur de pas pouvoir revenir sur mon véhicule. Ah, bah en haut, t'es marqué, oui, dans le chat en haut, tout en haut. 71. Ah, t'as pris des tirs. Non, mais ça a marché, regarde en haut, t'es en haut. En numéro 1. On va réussir à sortir avec toute la magie là. La caméra elle bouge toute seule, hein. C'est pas ma manette qui déconne. Hein. Ouais, mais je te redirai après. Après le live. Ça a failli glisser, caméra, j'aime pas. Hello mon binôme. Let's go! C'est pas moi qui me suis loupé, c'est Bletox qui envoie des pyramides. Yes. Oh, stylé, il y a vraiment tout. Oh, on a rejoint la genre de déesse. Et du coup, on peut voir la fin. Des hiéroglyphes qu'on découvrait au fil de l'aventure. C'est là qu'on voit qu'on n'est plus tout seul. Il va falloir grimper en haut d'une montagne là. Pas sûr. Écoutez YouTube, j'espère que ce petit épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. BTBA à tous et à bientôt.